Non, 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 tu touches pas mon câble, toi. Hop, là. Allez. Donc, on va prendre un compteur à vie. L'Undel est avec lui, et l'Ordre y régnera. Bien, Aïta m'en sera ravie. Il faut que j'aille parler à Aïta. Je devrais aller voir Aïta. Une fois encore, ton peuple m'impressionne par sa compétence. Les envahisseurs n'avaient aucune chance. L'Ordre a été chassé de l'Unden. Pour l'instant... C'est une bonne nouvelle. J'aimerais pouvoir la fêter, mais hélas, Jørvik est victime du même... fléau. Jørvik est une ville tenue par des gens du Nord. Je devrais pouvoir y trouver... Tu vois les choses avec optimisme, Eivor. Si tu entends te rendre là-bas, j'ai quelque chose pour toi. Mais je t'écoute. Tu te souviens de Gorm, le fils de Kjotve? Il a repris la place de son... Intéressant. Gorm est ici, en Angleterre. Il fait partie de nos cibles, oui. Mais il est plus à l'ouest, sur une terre appelée Vinland. Découverte il y a des siècles par un marin, l'Ordre des Anciens semble, depuis quelque temps, vouer une fascination au Vinland. Mais j'ignore pour quelle raison. On m'a dit que le Vinland était très éloigné. Il te faudra peut-être des semaines pour le trouver, après un long... Aucun danger ne peut me faire reculer, Aïtam. Je vais en parler à Ranvi et trouver le... Il y a autre chose? Je dois... Alors, va. Bon. Bon, je crois que j'ai quelque chose à ramener aussi au maître du musée. Bien. Sans question, point de mensonge. J'espère simplement que tu es content. Et ni toi ni moi ne risquons de... Oh, merci. Tiens, d'autres... Voyons ce que tu as. Magnifique. Et voici quelque chose pour toi. Apporte-moi d'autres comme ça. Tiens, d'autres... Montre-moi ce que tu as. Magnifique. Tu devrais pouvoir en trouver d'autres. Dis-moi, quel est... Si tu trouves d'autres... Je pars. Die dulci fuimini. Je dois prendre... J'aimerais voir la...
As-tu discuté du Vinland avec Aïta? En effet. Bien. J'ai marqué l'endroit sur la carte, malgré l'incertitude de son emplacement exact. Dis-moi. Envahisseurs danois. Oui, des Danois au service d'un dénommé Roued. Il y a des années, les fils de Ragnar ont espéré pacifier ces terres. Ils ont chamé. Ce royaume s'est depuis effondré par manque d'un roi. Et des pillards brutaux. Je te suggère de te rendre en Estanglie pour découvrir quel. Voilà, on est parti. Je vais partir vers l'est. C'est une bonne idée. C'est joli. Ouais. Alors, voilà. En Estanglie, tiens, c'est là. Parle d'un intendant, j'espère que c'est pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Finr? Non, sauf si c'est Alfdal qui t'envoie. Bon, qui que tu sois, je veux savoir pourquoi il n'y a pas de roi sur le trône. Parce que l'homme qui convient n'est pas encore marié. Dès qu'il le sera. Qui est cet homme? Oh, tu sais, étrangère, tu as interrompu un très beau rêve. Je naviguais dans le Helheim, à bord d'un navire de feu. Et tu sais que les rêves de mort précèdent de peu la réalité? Oh, cela ne ferait qu'alléger mes épaules d'un fardeau. Mais pourquoi t'intéresses-tu à un petit roi? Parce que des Danois d'ici ont attaqué mon clan. Je veux savoir pourquoi et comment m'assurer que cela ne se reproduise plus. Ah, c'est sûrement le clan de Roued. Il a tué le dernier homme que j'avais placé ici, Ethelstan. J'imagine que cela recommencera. Un Danois incapable de tenir les siens? On ne peut pas. Si je savais comment, je l'aurais chassé depuis longtemps. Tu es le plus mauvais soldat que j'ai rencontré dans ce pays. Botte les fesses de ton roi, et pas toi. C'est bien lui le souci. Il n'a aucune des qualités requises pour gagner. Ni courage, ni armée, ni prestance. S'il tient à durer plus longtemps qu'une saison, il aura besoin de l'appui de sa belle famille. Ce qui, entre nous, ne risque... Et qui est ce roi Larfel? Ah, Oswald de Delmenhal. Il était le conseiller du roi Edmond avant les invasions. Et que cela te plaise ou non, c'est le dernier noble saxon ayant un peu... Pourquoi ne pas couronner un Danois, alors? Le Jarl Halfdan a été clair. Il veut un roi saxon marié à une Danoise. Mais Oswald n'est pas le genre d'homme qu'on suit au combat le sourire aux lèvres. Il est mot. Où est-il en ce moment? J'aimerais m'en faire. Ah, tu l'as manqué de peu. Il vient de partir vers elle. Tu pourras peut-être le rattraper en suivant la route.
bâti ma maison ici. Nous aussi, le clan de Rouette nous a attaqués. Oh, tu as de la chance de pouvoir parler d'une maison. La mienne a été rasée par les flammes il y a des années. Et par qui? Je vous en prie, écoutez-moi. Que l'on soit danois ou saxon, nous voulons tous la paix. Avec des terres à cultiver, une maison, sans craindre les méfaits. Jusqu'à ce qu'ils recommencent. Ils vivent ici maintenant, comme nous. Notre avenir se bâtit ensemble, pas dos à dos. Mais c'est danois qui... On dirait la voix de... Qu'est-ce que tu comptes faire? Lorsque comment ça s'appelle-t-il? Celui qui joue dans Un Seul au Monde. Tu seras roi quand moi je serai un troll volant. Tom Hanks. Tom Hanks ou celui qui joue dans Seul sur Mars plutôt. Enfin, je crois que c'est le même, c'était Tom Hanks. Il a un peu la même voix. Un roi doit se montrer plus cinglant envers ses... Je ne suis pas encore roi. Alors j'ai... Je suis Eivor du clan du Grand. Je le suis. Tu n'es pas là pour me tuer. Je n'ai pas coutume de tuer les rois. Alors le nom est Oswald. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Oswald? Un clan mené par un dénommé. Cela fait un moment qu'il pille des fermes et des hameaux d'Est. Et il sait que... Sûrement, oui. Mais il... La fureur de ces hommes nous a frappés. Et je suis là pour... J'ai récemment appris que tu incarnais tous les espoirs de cette... Devenu roi, tu pourrais oublier ça. Un fardeau bien léger, n'est-ce pas? Que seul un roi est capable. Accompagne-moi, Eivor. Nous discuterons de... Je retiens ton attention, Elmendram. Mon mariage. La fièvre règne à Elmendram en prévision de mon union avec Maldis, une danoise, et cousine de Halfdan. Bonne nouvelle. Un bon mariage forge les alliances. Quel est le problème? Le problème? Je n'ai pas reçu autorisation d'épouser Maldis. Ses frères ont une piètre opinion de moi. Putain, il fait le même temps dans le jeu qu'il faisait à Paris ce matin. Doucement. Quelque chose ne me dit rien qui vaille. Attends. Il y a de la fumée devant nous. C'est Bitlin. Peut-être les mêmes hommes qui ont attaqué les murs de Norwich. Reste ici. Je vais aller. Bon, on peut dans sa porte. Y avoir d'autres chiens de ce genre. Oswald sera soulagé de la prendre. De Rouen. Dieu accueille leurs âmes. On m'attend chez moi. C'est peine perdue, mais je dois tenter une fois de plus. Montre-toi plus ferme que tu ne l'es maintenant, et ils envient... Oui, pardon. Si tu te joignais à nous pour dîner, cela les adoucirait peut-être. Je serais ravi de me joindre à vous. Magnifique. Passe nous voir à Elmenham. C'est encore pire que ce que je craignais. Véritablement un baltringue.
Tiens. Allez, on va se le faire. On va se venger. Petit échauffement. On mettrait bien dans The Witcher 3 aussi. J'ai déjà été témoin d'une telle violence. De l'Érion. Inspire profondément. Regarde-moi devenir fumée et entends-moi lorsque je brise tes sorts. Bon, on va voir ça. Ouais. On en finisse avec tes démons. Thor me fait profiter de sa force. Alors, la cuirasse de Thor.
Allez. On va aller faire ça tant qu'on y est. Oh non. Oh, pas un truc comme ça, putain de merde. Bon allez. On va le faire. On croise les doigts. Tu sais que tu ne dois pas prendre ce qui ne t'appartiendra. Tu veux que je dise à ton père que tu t'es mal tenu? Dis-lui ce que tu veux, il ne te croira pas de toute façon. Oh, que si! Voilà, et hop, ça se fait. Je sais pas. Dire qu'il y en a une qui m'avait fait péter les plombs, je m'en souviens d'ailleurs, je suis pas sûr de l'avoir fait d'ailleurs. Attends, je vais vérifier vite fait un truc. Vous êtes par là, je crois, de mémoire. Tiens, c'est celle-là. Putain, bah, elle est pas faite. T'es tellement en prise de tête. Bon, on va faire ça, 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 et on va revenir ici. Loin d'un point d'observation, donc que je sois tranquille pour plus tard. Bon, déjà le clean-up va être particulièrement fastidieux à faire. D'en haut, non, d'en haut, ça m'a l'air pas bien. Alors, d'où est-ce que je pourrais l'avoir ? Couvert de bois, préservation. J'y ai marqué mon symbole sacré afin d'indiquer la source de leur pouvoir. Tandis que je prie, le Seigneur me fait parvenir la voix d'un esprit saint. Il résonne avec l'apparat d'une langue ancienne. Et c'est pour moi, j'avance. Ces bois ont-ils été transportés par les Néphilim ? Sont-ils des obstacles à des invasions ? De grâce, Seigneur, fais que la vérité m'illumine avec autant de clarté que ta parole. Alors ça. Ça va s'avérer être casse-couille ce truc-là.
Bon. Pas simple celui-ci. Chiotte. Alors une rosace comme ça, bon. D'où est-ce que je pourrais avoir un point de vue pour la voir? Étranges sont à l'œuvre. Bon. Donc on va aller se taper ça, ça, et après on va aller faire le dîner ici. On vient de buter une fille de Lérion, donc on a obtenu une deuxième pièce de l'armure de Thor. Costaud toi comme cheval, hein. Je t'ai même pas brisé les mains. Bon. On m'attaquera à vue d'ici. Parce que je vous ai pas pu l'entendre.
on peut se ramasser ici, donc... J'ai hâte qu'ils aient fait une mise à jour pour PlayStation 5 pour The Witcher 3. J'ai envie de me le refaire. C'est pas une partie de plaisir, hein, ça, se faire ce jeu en marge de la mort, mais... C'est un tellement bon jeu. Quoi, masque romain ou masque romain, ça serait pas du tout. Qu'on y accède par là-bas, c'était tellement téléphoné. C'était tellement sûr. Deux richesses, un mystère et trois artefacts ici. Un mystère, une richesse, deux richesses et deux artefacts. Ah non, trois, tiens, là l'autre, je suis con. Bon, ok, on verra ça plus tard, pas d'urgence. Ça va être du matériel de merde. C'était sûr. Regarde, une danoise seule. Incroyable. Oswald. Eivor, tu es là. Le dîner va être servi. Mais tu viens un peu trop tôt, j'en ai peur. Pour ce qui est de ta promise, Oswald. Elle se nomme Valdis. Et les gens se marient rarement par amour ces temps-ci. Elle appartient à une famille danoise disposant de nombreuses troupes. Ses frères, en revanche, si tu allais faire un tour avant de revenir, le dîner sera... Tu veux attendre la nuit. Ok. Ça y est, j'étais faire un tour. Seigneur et dame. C'est un jour de paix et de fraternité. Je vous ai mandé ici à Elmodram pour vous remercier et offrir ma générosité. Finr, notre intendant, nos invités d'honneur, Grotir et Brodeur, et ma ravissante promise, Valdis. Ravissante, lol. Tu laboureras peut-être notre sœur puisqu'Alvidan l'ordonne. Mais tu ne nous entraîneras pas dans ton lit. Brodeur, ce n'est pas... Le dernier roi saxon de mémoire était bien plus viril que toi. Et nous avons perdu 150 hommes.
pour protéger son cul de ce niveau. Retire. Si vous tenez un tel discours, je vous prie de partir. Je ne me laisserai pas insulter sous mon toit. C'est pour cela que tu es là ? Pour soutenir ce saigne qui pue le crottin de bouc et de brebis ? Pardon, tu as dit quelque chose ? Je t'ennuie, ami des loups ? Je suis là pour protéger mon clan. Si cela suppose d'aider ton roi à s'emparer du trône, qu'il en soit ainsi. Autant couronner le trône lui-même. Il est fait de moins de bois que celui-ci. Nous serions plus au calme si vous aviez les bourses de vous occuper du clan de Rouen. Mais tout le monde peut voir que chacun de vous a les bourses vides. Tu as la langue bien pendue, Emily, au risque de te la faire arracher. Si de simples mots peuvent te blesser, imagine un peu ce que ma hache infligerait à toi. Caractère indolent. Caractère quoi ? Non, non, c'est arrêté. Indolent. Ça suffit ! Allez, on va lui péter sa gueule. C'est parti. De fer, de quoi ? De molassé. C'est quoi là ? Pourquoi ça ne tape pas ? Arrêtez de vous donner plus ce con. C'est tout ce que vous valez. Pas étonnant que l'Est anglais soit dans cet état. Tu es faible, berger. Ton ami du Nord ne changera rien. Voilà, on sort, Eric. Je crois que je préfère un rêve insensé à ces bagarres. Perte de temps et de bonne hydromel. C'est... La danse ne fait que commencer, Oswald. Seras-tu là, demain ? Je vais me trouver un endroit où... Et Ivor, si tu peux m'aider à arranger cela... Tu disposeras d'une alliance solide avec l'Est anglais. Faut qu'on aille buter les hommes de Rued. En plus, ils nous ont attaqués, donc pas de pitié. Ouais, pas de soucis. Il a l'air d'être parti pour la journée. Mais il faut que je lui parle. Remettez de l'eau. Ravi de te voir, Eivor. Ah, bonjour. Tu es une lefto. Tu travailles peut-être comme un possédé et tu n'es pas doué pour les festins. C'est un des... Tu as raison. Je prends plaisir aux tâches simples. Mais ce n'est plus... Tes frères t'ont insulté au dîner. Ton devoir est de réagir à ces injures. Ne laisse pas cette affaire s'envenimer. Oh, ce n'était qu'une petite querelle avec des loups de basse-cour. Je m'inquiète davantage des meuglements d'une vache que j'ai un mariage à préparer et un royaume à sauver. Ils ont bafoué ton hospitalité, Oswald. D'où je viens, c'est une injure sérieuse. Eh bien ! Et c'est le saxon crotté qui met ma patience. Ah, je sais, j'ai manqué d'allure au dîner hier soir. Mais ne crains rien. Tu prétends devenir roi, chien sans cœur et sans dents. Si Alvdan était là, frappante, il crierait « Finre, mon drengue, assomme le bâtard !» Quelle voix il aboie, c'est Finre le noir. Mais ce chien est un chiot, et cet homme est un poire. Je n'ai rien compris. Une joute verbale, Oswald. On se sert du rythme et des rimes pour rabaisser quelqu'un.
Essaye. Aucun homme ne te suit. Défie. Tu ne penses qu'à manger, à t'en faire péter les brais. Pas mal. Il n'a pas plus de cervelle qu'un sanglier. Montre à tout le monde. J'écraserai ton visage. Mais recrache l'hydromel. Ramollis le cerveau. Le cerveau ? Il est repoussant. Alors s'il se vante, réplique. Je viens des confins du Nord. Mais tu es moche et balourd. Au point de faire peur à ta mère. Ah oui, c'est parfait ça. Il joue les braves. Mais en réalité, c'est un gamin pleurnichard. Si jamais il se vante, j'ai affronté l'océan, les mers, les vents que tu connais viennent de tes intestins. Viennent de ces. Tu parles de ces. Oswald, mon garçon, tu n'es rien sans qu'il n'aille pas sur le trône. Riposte, quelque chose de persévérant. En ton jour de naissance, tellement faible et violet. Bien envoyé. Avant de faire teinter les épées et couler le sang, nous eûmes. Tu as un don pour les rimes, je dois le reconnaître. Mais une langue bien pendue de. Cela reste à voir, Finn. Je te défie, hein. Tu n'es pas sérieux. Un combat qui règle les litiges, non? Un combat jusqu'à la mort. Mieux vaut discuter. Il est trop tard. Le défi a été lancé. Mais un combat. Attends, c'est. Ceci dit. Mieux vaut qu'on ne me voie pas tuer un Saxon dans les rues d'Amérique. Il y a un joli petit îlot en aval, près de Siège. L'eau aura vite fait de nez. Prépare le carré. J'espère que tu es prêt. Ma foi, je ne sais pas. Ne nous fais pas attendre longtemps. Ce serait indigne. On va faire semblant de se faire battre. Ça, c'est couru d'avance. Vu qu'on vient de péter la gueule des deux autres, ils vont dire il nous a battu. C'est un balèze. Mieux vaut éviter la difficulté. Oui. Ah, ce qu'il y a, le problème, c'est que tu te sois fait là. Te voici. Fais montre de prudence et tâche de ménager notre futur roi. Il est le dernier à pouvoir prétendre à la couronne. On ne naît pas roi, Finn. On le devient. Voyons ce que nous pourrons faire d'Oswald.
C'est prêt. Désolé, j'étais au téléphone. Je vois que vous avez toujours préparé un carré. Je suis en Est-Anglie depuis de nombreux étés. Et je resterai. C'est vraiment nécessaire. Et la force et le courage sont de grande qualité, Oswald. La vraie force est celle de la résolution. Hey. Je n'ai jamais entendu de boyau parler. Mais une hache ferait taire dans l'instant cette voix. Attends, tu n'as pas d'arme? Ne t'inquiète pas pour moi. On finira par faire de toi un roi. Ne retiens pas ton bras. Si c'est un combat que tu cherches. Tu as dû le sentir, ça. Je suis toujours là. Et des Danois devraient suivre ce bon à rien. Je respire toujours, non? Montre-moi ce que tu sais faire, Saxon. Allez, à ce que t'as oublié tes rêves de couronne, tu es vraiment ce qu'il y a de mieux en Est-Anglie? Oui, et je vais le prouver! Allez, bats-toi! Tu veux que... J'y suis allé trop fort? Tu as bien frappé. Eivor a gagné! Reste à terre, Oswald. Je... Tu t'es battu avec courage. Sans grand talent, mais hardi. Ne retiens jamais tes coups ni ton ardeur. Même si tu dois te salir les mains. Même si tu dois... Car il n'y a jamais de règle lorsqu'on relève un défi. Celle-là est unique. Pas dans la victoire. Les frères ne changeront pas d'avis pour un combat au bord de l'eau. Oswald devra agir. Redresser le top. Les pillards qui ont attaqué Pitlis ont un campement sur la côte. Plutôt... Voilà un résultat qui te serait... Et si tu apportes aux frères des présents sous forme de... Il est temps de souiller ta lame. Eivor. J'espère que ton équipage nous aidera lors de cette attaque. Mais en tant que je ne les ai pas utilisés, mes copains. C'est parti. Plus de poids, j'ai la poids. Jusqu'ici, personne n'a osé s'en prendre au plan de Rouen. Ce royaume est composé de fermiers et de marchands. Même des paysans et des marchands peuvent combattre s'ils sont bien menés. J'espère que ta foi en ces porchers est justifiée, Eivor. Nous aurons du travail, oui. Mais nous... Dieu. Reste maintenant à tuer les traîneurs. Ah, ce sera parfait. Tu as trouvé quelque chose? Oui. Nous allons la... Un coup.
combattre beaucoup d'autres possibles. Les richesses d'Elmenhab. Et c'est un bon défi. Emporte les richesses que tu... du bétail et un trophée pris à l'ennemi vaincu. Que voulez-vous ? Aucun Danois endure, si tu veux dire. Tu me fais... C'est une offre et tu refuses. Restant. Accepte. C'est un homme d'or. Oui. Il... Si c'est un éclaireur... J'étais en train de me soulager. Tu as fait ce qu'il faut agir. Où as-tu trouvé celui ? À l'extérieur. Ils doivent chercher le moyen... Par le Christ. Trouve... Je vais chercher. Les éclaireurs de Rouet devraient camper près de leur bateau. Oh. L'un d'eux parlera. Nous l'avons remarqué à bord d'un bateau. S'il y en a d'autres, ils devraient être près de la mer. Toute personne suspecte. J'ai des amis qui aimeraient te parler. Repose-moi, puisque je te dis que je suis un bouvier. Lâche-moi, Danoise. Tout à l'heure, tu te prétendais porcher, non ? Ça n'a aucune importance. Je m'occupe de toutes sortes de bêtes. Tu es aussi Danois que moi. Épargne ta salive, menteur. Ridici!
C'est marrant, l'éclaireur, je sais pas si t'as vu, il m'a envoyé là-bas et... Oh bon, c'est bizarre. Sur la map, c'était pas au bon endroit. Rouet qui t'a envoyé ? Parle, sale arcre. Ce n'est pas comme ça que tu vas te faire des amis. Un tel mot est une offense mortelle. Moi, je le tuerai. Je te repose la question. Je venais présenter mes hommages, seigneur. À Oswald, l'air qui pleurnicheur saxon d'Est Anglie. Par deux fois, tu as insulté cet homme avec des mots interdits. Il a le droit de te tuer. Lèche-moi le cul. Voilà la langue avec laquelle je lèche. Et là, elle est assez près de tes fesses. Et quand le feu sera allumé à Dunwich, Roued rassemblera ses hommes. Il compte attaquer le ville. Vous les Danois disent Roued te salue bien, noble dame. Attends-toi à le revoir. On en sait assez. Il est temps de mourir. Ce n'était pas nécessaire. Il t'a insulté devant tous ceux qui sont ici. C'était à toi de le tuer. Je m'oppose à ce qu'on verse inutilement le sang. Cet homme représentait Malvis. On aurait dit que cet homme te connaît. Roued était ton mari. Je l'ai été. Nous sommes séparés. Je ne m'appelle pas. La prospérité de l'Est Anglie repose sur notre sécurité et notre unité. La présence du clan de Roued, il faut que je lui parle. D'homme à homme, il n'y a pas de place pour lui en Est Anglie. Bien, dès demain, je vais chercher un autre roi. Ravi de t'avoir connu, seigneur. Roued soupera de tes poumons, Oswald. Pour être un roi digne de ce nom, je dois rencontrer l'homme qui me tourmente. Je vais allumer le feu de Dunwich. Tu es certain d'y tenir ? Affronter Roued à découvert aura son lot. C'est le seul moyen. Viens, Oswald. Et je compte bien vous voir aussi là-bas, vous deux. À défaut, je ferai en sorte que les sagas parlent de votre couardise pendant des générations. Vous vous préparez à partir pour Dunwich, n'est-ce pas ? Nous y serons. Parle pour toi, attendant. J'ai vraiment besoin de vous rappeler quel sort nous réservera Altan si jamais Roued s'empare de l'Est Anglie. Est-ce que je voulais aller... C'est où qu'on aille, là ? Là. Oh putain, il n'y a pas de téléportation à côté. Bon. C'est l'armure en même temps ou quoi? Je sais pas, si je l'avais pas ramassé, c'est peut-être qu'il y a une raison. On pouvait peut-être pas. Bon, on y va quand même, on en profite, tant qu'on y est.
doit être une grotte sous l'eau. Il y a l'escalier qui est là-bas. C'est loin, on n'a pas accès. J'ai pris une dague à la femme du mariage. Elle pourrait y entrer. J'en ai la tué deux. La dague que j'ai prise à la femme du rocher. Elle pourrait y entrer. Il me manque une femme de Lérion. Putain, elles sont où les filles de l'air dans la dernière? Il manque une lame. Ah merde! Je suis revenu ici comme un con pour rien. Je suis vraiment un putain de tocard de merde. Sérieux, quoi. T'es chier. Comment perdre du temps comme un con. Oh, c'était pas par là. Ah, c'est là. C'est ça. Attends, on va aller voir. On va aller la buter directement pour ramasser la. Allez, ça se trouve, c'est ça. Peut-être de trop haut niveau pour moi, faut dire. C'est comme mon canasson. On va tenter de la buter. Allez, on va tenter de la buter. Ce serait potentiellement peut-être ça. Que c'est vous, les gens.
Bon. Alors apparemment il y a la fille, la dernière fille de Lérion, elle serait par là. On va essayer d'aller la taper. Hein. J'espère qu'elle est pas trop forte. Ça me surprendrait pas qu'elle soit balèze. Je suis niveau combien moi? 281, donc 290 ça veut dire. Ça suffit, moi, pour la battre, cette conne. Il n'y a pas un truc d'amélioration de lance que j'avais cru voir. Alors, amélioration d'attaque. Donc, j'améliore les dommages de la lance, bon, ce serait bien. C'est l'assassinat, ok. Dégâts puissants, on s'en fout. Dégâts puissants, pas mal là. Niveau 291, ok.
sais pas pourquoi, mais je sens que la dernière, elle va me poser des problèmes. La dernière fille de l'air. Je sais pas pourquoi. Une intuition. Que tu me jettes à 30 mètres. Allez, jette-moi à 30 mètres, gars. C'est pas 30 mètres, ça. Il faut être jeté à 30 mètres, je sais pas comment. C'est un masque romain, pourtant je croyais que c'était la fille de Lérian ici, je comprends pas. Peut-être pas débloqué encore, faut dire. Par contre, je vois pas de truc explosif. Putain, j'étais en train de parler tout seul. J'ai oublié de rallumer le micro. Bon. Normalement, c'était censé être les filles de Lérian ici, donc je suis un peu paumé. Je sais pas du tout où c'est.
Gantelette d'or, bah j'ai déjà tué celle-là, d'accord. Je pouvais bien chercher comme un con. En fait, il me reste la plus simple à tuer, apparemment. C'est la grande bridge. Alors, d'accord. Bah écoute, on s'en fout. On va faire la mission. On libère cette contrée et puis on va voir après. Donc apparemment j'ai tué les deux sœurs de Lyrion les plus difficiles. Celle qui reste elle est de bas niveau apparemment. Donc, bon. Je pensais que je serais emmerdé au final. Allumez le pratique, je vais le faire. Toi, retire, Valdis et moi, allons examiner le quai. Oswald et moi attendrons ici que le... La grande porte est bien gardée. Je vais trouver un moyen. Nous te protégeons. Nous te protégeons, ouais. Tu m'excuseras, mais c'est pas en toi que j'ai confiance. Dunwich, reste à éliminer les hommes de Roued et à allumer. L'accès à cet endroit est interdit.
Merci, l'ami. Que Dieu te bénisse. Allumer le reste des hommes de Rouen de Bonal. Odin me gâte. En échange de la vie de quelques hommes, il m'offre l'estanglie et me rend même ma femme. Oh, belle journée. Toi, je ne te connais pas. Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Le clan que tes hommes ont attaqué avant que j'en ai dû. Qui m'a appelé ? C'était toi, Val. Et pourquoi t'appellerais-je après 5 années de bonne. Non, c'est moi, Rouen. Toi, Oswald. Qui prit qui a pour destin d'épouser Valpar et emmène tes hommes. En Est-Anglie, Saxons et Danois sont forts et unis. Et je devrais faire voile vers le Danemark les mains vides après un aussi long voyage. Tu auras mon poids en argent et quantité de bétail et de grains. J'en ai déjà pris 10 fois plus. Je te propose une chose, sombre port. Un Holmgang, rien que toi et moi, pour l'avenir. J'accepte. J'accepte. Un combat à mort. L'enjeu sera l'Estanglie. Le noisetier est en place. Le carré est prêt. Dès que tu le pourras, emmène Valdis et ses frères à l'abri. Ils ne doivent pas se battre. L'Estanglie a besoin d'eux. Laisse-moi combattre à ta place. Non, c'est à moi de le faire. Moi qui dis quand tu veux, roi de la France. Je suis prêt. Plus qui s'incline.
Soumets-toi devant ton maître. Alors, on se bat comme un lâche. Le roi Roued t'ordonne de mourir. Oswald! Incline-toi. Partez, vite. Vite, vers le pont. Allez, allez, allez. Vite. Ils s'abandonnent pour l'instant. On a réussi à les distancer. On peut se reposer un moment. Par Thor, il s'est bien battu. Enragé comme un putois. Il faut y retourner. Oswald a peut-être survécu. C'est possible. Les hommes de Roued vont tenter d'en profiter. Il faut se préparer. Nous irons à Norwich. Retrouve-moi là-bas quand tu... Il est mort en héros. Aucun doute. Si son dieu ne l'emmène pas. Pourquoi il ne nous a pas laissé combattre à sa place. Qu'est-ce que je vais dire au Jarl Halfdan? Nous pouvons porter le combat chez ce qu'il reste du clan de Roi. C'est facile à dire. Ces hommes sont retranchés à... Sur la côte? Oui. Protégés par une porte en bon fer, tenue en place par des madriers. Le bois s'abrute. Il est vrai. Mais comment faisons-nous? En entreposant de l'huile à la proue de ton navire. Ils nous verront arriver, bien avant qu'on atteigne... Le vent infirme. Une troupe de paysans d'Est Anglie. Pour faire diversion à la fin. Des Saxons prêts à mourir pour des Danois. Cela tient du rêve. Cela peut marcher, Finr. S'ils se battent... Vous, là. Ouais, bien sûr. Il a traîné ce diable danois de Roued jusqu'aux entrailles de... Roued a disparu. Mais son clan maltraite toujours l'Est en... Oswald ? Oui. Les deux Saxons vengeurs, c'est loin de constituer un Fyrd. Mais tu as peut-être raison. Je peux aller à Helmenham et rallier ce qu'il reste des forces d'Oswald. Winston, le magistrat de Théophord. On peut établir... Accompagne-moi, Finn. Si nous avons de la chance, Roued n'aura pas mis à sac Théophord. La chance est une denrée bien rare en ce royaume. Peut-être, oui. Mais je préfère m'accrocher à quelque chose, plutôt que de chevaucher les mains vides.
Si le clan de Roued continue à s'en prendre impunément à ce royaume, les habitants d'Estanglie seront aussi piteux que cette terre. Et regarde-nous, abattre les marais afin d'implorer l'aide d'une bande de paysans apeurés. Mais pour qu'ils combattent pour le roi que tu leur as donné, puis... Ne l'oublie pas. Ma tâche était de leur trouver un roi, pas de le protéger contre tous les périls qu'il aurait à affronter. Oswald n'était pas encore couronné, ni marié. À mes yeux, ta tâche n'était pas encore achevée. Mais tu t'attendais à l'ami des loups. Méfie-toi. Il reste peut-être des hommes de Roued. Pas le moment de gaspiller son pouvoir. Mais toi, comment ? Rien, magistrat. Tu calmes, mon ami. Ne manque pas de culot pour te montrer ici. Ce sont les tiens qui ont fait ça. Ton ennemi, c'est le clan de Roued, pas moi. Je viens au nom de... Tu n'en restes pas moins une danoise. Et c'est votre présence qui a entraîné la mort d'Oswald et Blum. Oswald est mort en défendant l'Estanglie, en vous défendant. Ben, mourir en servant une cause perdue. Si l'on ne triomphe pas du clan de Roued, l'Estanglie tombera. Combat à mes côtés contre lui. De belles paroles, danoise. Mais les gens de Théophore dans leur propre combat. Si jamais tu as besoin de... Il y a à l'est un village appelé Kingsbury. Les hommes de Roued s'en sont emparés il y a deux. Laisse-moi m'en occuper avec mes hommes. Économiste. C'est honorant si tu tiens parole. Je vais porter cette nouvelle à notre campement, Ivor. Je te retrouve. Au sommet de l'église de Kingsbury se trouve une grande corde. Si tu réussis, souffle dans cette corde. Quoi ? La danoise ? J'aimerais te parler. Tu as besoin de moi ? Nous t'avons entendu discuter avec le magistrat. Et nous voulons qu'on... À la bonne heure. Rejoignez les ruines au nord de... Hein? Je ne dois pas être vu par ici. Bah si, je dois être vu. Ça ira plus vite pour combattre comme ça. Où brouillent les hommes de Roued ? Thank you.
Combien de chefs de bande comme ça? D'annoncer la victoire. Le magistrat est venu se joindre à moi. Espérons qu'il tiendra parole. La couronne ! Cela faisait si longtemps ! J'ai respecté ma promesse, magistrat. Oui, je tiendrai parole. Et grâce à ton... Autrefois, cette corne servait... Bien. Si tu trouves des hommes prêts à combattre, envoie... Valdis a dû intervenir là-bas. La flotte des frères, assemblée et prête. Mon avis va enfin reprendre mon service. J'en avais assez qu'ils prennent la poussière. Eivor, la nouvelle de tes actions à Théophore de Cyrene. Des hommes arrivent de toute l'Est-Anglie. Et nos navires sont prêts. Le magistrat de Théophore est avec nous. Ils ne seront pas les seuls. La corne de Kingsbury a réveillé les hommes de tout le royaume. Nous aurons l'arme ensemble qu'Oswald ait réussi en fin de compte. Saxons et Danois... Dommage qu'ils ne soient pas là. Nos forces seront... Es-tu prête à l'entrée? Je le suis. Notre objectif est Burg du Castle. Que... Bien. Ainsi... Les... Sous le couvert de la nuit, Valdis mènera le fil. Cela distraira les hommes de Roued et nos forces rejoindront la porte maritime. Et une fois à l'intérieur, nous ouvrirons tous les accès au château. Il faut dans ton navire. Il attend son moment. Il faut que tu leur parles. Oswald,
n'était pas un homme à rechigner lorsque vous aviez besoin de lui. Un homme qui a donné sa vie à son clan. Rendez-lui cet honneur. En sa mémoire, l'heure est venue. Aujourd'hui. Allez, on y va. Tu te souviens du rêve dont je t'ai parlé? Tu rejoignais le Helheim à bord d'un navire en feu. Peut-être une réalité aujourd'hui. Les rêves, la vie, sont-ils une seule et même chose après tout? Battant des Yann-Yann-Yann. Au galop, je cours à la ruine et à la terre. Au galop, je cours à la... Mais ça, c'est exactement ce que Théoden dit en... avant la charge du roi. Les chiens de Rouen vont pouvoir venir. C'est exactement ce que Théoden dit, j'en suis sûr et certain, à 100%. De Seigneur des Anneaux là. Yeah.
attention. Dans cette fosse à Purin, où tu te fautes.
Le Valar. Merci. Tu te commets avec ces bons à rien, ces ferrats. Mais en échange de quoi? Dans le pain de terre. Ivor, non! Il doit être jugé devant Dieu. Mon règne ne commencera pas en versant plus de sang que nécessaire. Un autre affront flagrant. Pour les méfaits qu'il a commis, cet homme doit mourir. Les anciennes lois sont claires. Ce sont les terres d'Oswald, où il doit régner comme il l'entend. Eivor s'incline devant les rois. Défier un roi, c'est l'humilier. S'il perd son honneur, l'Estanglie ne pourra guérir. Et ton honneur, Eivor, jusqu'où consens-tu à le sacrifier? Alors, de vivre ou mourir, voyons voir. Je sais pas. Allez, on va respecter ce qu'il dit. Le roi légitime d'Estanglie t'a fait grâce aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi. La compassion est une vertu qui sied à chacun, Eivor. Donc j'aurais pas dû lui buter sa gueule. Et m'assurer qu'il va bien. Merci de m'avoir écouté, Eivor. Je connais la valeur d'un tel geste. Tout ceci ressemble à un rêve. Sauf que tu ne dors pas. Vous vous êtes bien battus, tous les deux. Tu es là aussi, mon vieil ami. Si j'avais su que tu étais encore en vie, je serais resté à Norwich. Regarde autour de toi. La joie règne. Et nous avons triomphé. Et bientôt, un grand événement aura lieu. Nos épousailles, mon amour. Enfin, si tu veux toujours de moi. Pourquoi te rejetterais-je? J'ai mal combattu. J'ai laissé l'ardeur et la colère de cette brute avoir raison de moi. Et je... Assez, Oswald. Tu t'es battu. De tout ton cœur et de toute ton âme. Je ne demandais rien de plus. Dans ce cas, il y a beaucoup de choses à préparer. Une femme à épouser et un royaume à diriger. Et beaucoup sont morts pour l'obtenir. Certes non. J'ai le cœur ardent, mais les os fatigués. J'ai vu un tas de fous. Plus tard, Eivor.
Pour l'instant, je dois prendre... Alors, on se reverra. Oui. Et je dois retourner à Elmham. Le mariage d'Oswald est pour bientôt. Préparatifs du mariage Butler. Seigneur. Merci. Ça te ressemble bien de faire attendre un roi à son mariage. Et pourtant, je craignais que tu ne... Je t'avais bien dit que je te ferais... Et ce moment est arrivé. Sans toi, je serais mort. Un autre esprit. Tu as l'air en forme, Oswald. Comme un homme prêt à écrire. C'est vrai. Pourtant mes nerfs sont... De toutes les batailles qu'un homme doit mener, la plus difficile est la guerre qu'on... Je vous déclare maintenant mari et femme, et à ce titre, je vous nomme... Oswald Delmenham, premier du nom, roi légitime d'Est Anglie, et sa dame Valdis, âme, poing et beauté de ses terres. Bah dis donc, on sait qu'il y aura les couilles dans le couple, hein. Tu as réussi, intendant. Désormais un roi au... Ne t'exclus pas de ce champ. Tu peux retrouver tes rêves. De feu et du... J'ai perdu mon chemin il y a quelque temps. Ça m'a toujours déplu d'être ici. C'était le rêve de Haldan. Il m'a hanté dans mes rêves, je navigue. Tu te souviens? Le vent dans ma barbe, le sel sur mes pieds. Seul le temps dira si j'ai pas frappé. Ici là. Un défi peut-être? Ami des loups, admire mes peaux. Ils sont solides. Je ne crois pas à vous dire. Mes flèches... Après avoir bu autant d'hydromel,
Garde les yeux ouverts assez longtemps pour me... Comme pour tout le reste, une tâche facile pour la vidéo. Ah, c'était plutôt facile. Impressionnant, vraiment. Ton poing manque de bière. On va arranger ça. Il doit falloir un sacré courage pour boire avant le nouveau roi. Un courage qui... À Odin. Et au nouveau roi d'Est Anglais. Pas mal, ami du. Ce pari n'est... Mais ça reste. Je vais te faire... Tu ne manques pas d'assurance. Et intéressons la chose. Nous allons... D'accord, j'accepte. Bon. C'est parti. Merde. Il va me battre ce con. Tu bois aussi bien que Valdis. À propos de paiement... Viens. C'est bien, je suis pas bourré du tout, moi, comme ça. Le sanglier est sympa. Tout comme Freyr. Tu m'impressionnes, Eivor. Ta compétence au comportant. Je me demande si je pourrais t'imprimer... Même un bout a quelque chose à enseigner. Ouais, mais je pourrais te montrer... Une autre corne d'hydromel, brother. Il paraît qu'on le fait avec... Tu l'as entendu ? Continue en moi. Attends, tu as entendu ? Est-ce que mon frère vient de m'appeler ? Je crois que... Il est un sans un boulot. C'est comme ça qu'on danse. Eivor, Eivor ! Tu mourras, moi, bon chien ! Viens te joindre à moi ! C'est bien ici, non? En hauteur! Qu'il vit le dieu des Saxons! Parce que moi, je l'ai pas vu! On dit qu'il se complète. Regarde! La lune! Elle a l'air paisible. Mais un jour, j'ai de nouveau... Ravi de l'entendre. J'ai toujours eu l'impression d'être Skull ou Hati à poursuivre et tâcher de réaliser... Relâche-les. Mon navire est au Valhalla! Tu me... Allez. Tu es très fort. Et toi, tu es imposant. Ah, pardon, Eivor. Je n'ai peut-être pas la dernière. Bon, assez joué comme ça. Il faut que j'aille voir comment va Austin. Eivor, je vais m'adresser à mes invités. J'aimerais le faire en ta présence. Ça a été une très agréable... Et tu t'es suffisamment... Je suis prête à t'écouter parler à... Viens, chers amis et invités.
Nous avons connu des temps difficiles, mais ce n'est pas le conflit qui nous unit. Puissions-nous toujours faire preuve de compassion. Mais alors, à mes amis et voisins danois, j'adresse mes remerciements pour leur... Et à mes frères chrétiens, puissions-nous continuer à incarner l'exemple de la grâce du Seigneur. J'ai devant les yeux l'avenir de l'Estanglie. Il est en ce moment même en chacun de vous, danois comme ça. Il reste un peu plus. Mais ce roi... Et à Eivor, sans qui rien de tout... Au nom de l'Estanglie, que cet anneau témoigne de notre loyauté envers le clan du Grand Corbeau et tout ce qu'il a accompli pour... Aurais-tu quelques paroles sages? Oswald, tu n'aurais pas été mon premier choix pour le trône. Je te trouvais faible, versatile et mollasson. Mais certains... J'ai ensuite découvert qu'Oswald avait un cœur comme on n'en voit que peu. Il a toutes les qualités que l'on attend d'un roi. À Oswald, Skoll ! Skoll ! Skoll ! Très bien, la course nuptiale va commencer. Rappelez-vous... Tenez-vous prêts ! La course nuptiale va commencer. Les moutons à qui tu avais confié ma garde ont fini tondus. Oswald, roi des... Je te dis, je l'accepte. Oswald est roi, et un roi se doit d'avoir un champion. Je combattrai pour lui. C'est moi qui l'ai défié, Eivor. Ton combat est plus grand, Oswald. Et un roi mort ne peut tenir ses promesses. Oswald, fils de Bors en bourse, je tuerai l'ami des loups. Ah, bah très bien. Ça, je peux péter ta gueule, de con. L'Estanglie peut bien brûler. C'est tout ce que t'as. Tiens. J'aurais aimé éviter ça. Tout ces... Ce qui est fait. Tu pars à présent. Il le faut. Ton mariage doit être un jour de paix et de bonheur. Et je ne... Eivor, tu as rendu un grand service à l'Estanglie. Un jour, je te demanderai de respecter. Il faut que je trouve Finr pour le saluer avant de partir. Salut à toi, Eivor. Tu rates les festivités ? Viens dans mon équipage, si t'as envie de te battre. Elle t'honore autant qu'Oswald. Je me sentais fini, Eivor. Mais aujourd'hui, mon cœur brûle de nouveau. Je veux vivre intensément. La gloire se moque de l'âge, Finn. Viens avec moi. Mon navire a toujours besoin d'un homme sage, habile à manier l'âge. Ensemble ? Ensemble. Je vais chercher mes affaires. Bah, je m'en doutais. Je m'en doutais. Un trophée. Terminé de les quêtes d'Estanglie. Il semble que le vent me ramène à Rani. Bon. Il semble que le vent me ramène à Rani. Autant lui annoncer la nouvelle. Alors, maintenant on va chercher donc comme on avait convenu la dernière fille de Lérion.
sympa. Là, de toute façon, faut explorer tous les points, c'est dans cette région-là. Apparemment. Salut à toi, petit. J'aimerais en rire, mais c'est... Impossible. Il trempe ses flèches dans des bouses de vache et ne se lave jamais. Les bouses qu'il conserve dans ses caisses. Doucement, ce lieu a l'air étrange. L'odeur pourrait te tuer. Débarrasser des caisses de chiasse, la maison sera à nouveau vivable. La prudence s'impose ici. Ces baies sont la seule chose qui me garde en vie. Au milieu de cette odeur immonde, il y a sûrement un piège. La puanteur qui provenait de ces caisses a disparu. C'est mon père, Dégolas. C'est un très bon archer. Mais il ne se lave jamais. Jamais. Mais je vais lui dire ma façon. Dégolas. Ils sont cons. Je vais laisser père rentrer. J'en ai assez. Il y a du changement dans l'air. Littéralement. Bientôt. Ce n'est pas ma faute. Mes matières sont utiles. Trempées dans la fiente, mes flèches sont plus meurtrières. Personne ne se plaignait pendant la guerre. Laisse-moi dans mon paradis de puanteur. Bientôt, mon clan de guerriers marrons. Je suis trempé. De l'eau, j'ai horreur de l'eau. Ma carapace a disparu. Ma couche des troncs de guerriers sacrés est partie. Mère, tu ne vas pas le croire. Père s'est nettoyé. Nous allons pouvoir vivre sans l'odeur pestilentielle qu'il produisait. Dégueulasse. Le Seigneur soit loué. Mon beau Dégolas, à nouveau baptisé. Mon amour, tu es enfin propre, et notre maison aussi. Approche, je peux à nouveau voir ta peau. Quel effet cela fait-il d'être à nouveau propre, Dégolas ? Je trouve cela assez étrange. Je me portais très bien quand j'étais sale. Je ne me suis jamais préoccupé de telle vanité. Nos désirs sont parfois très différents de ceux de nos dieux, de notre famille et de ceux avec qui on couche. J'ai l'impression d'avoir abandonné ma nature de guerrier. La crasse améliorait mes tirs. Mes flèches merdeuses... Je suis sûr que tes flèches volent toujours aussi droit et que tu n'as rien perdu de ton talent. Seul le temps le dira. On trouve
falloir que je me tape tout. Voyons voir. Non, ça ressemble pas à une fille de l'Érion là-bas. Je pense qu'on peut oublier, ça sera pas là. C'est isolé, un truc isolé comme ça, ça risque d'être ça. Putain. Allez voir ça au passage, mais je pense que c'est là-bas, à mon avis. Moine, as-tu récemment mis ta foi à l'épreuve? Songez. Mes dieux me conviennent. Mais moins que le mien, j'en suis certain. Tant mieux pour toi. Cette vie sans colère m'a transformé. Son amour les a rendus inutiles. Il m'aime. Tu peux aller brûler ma maison. Que tu saches que tu peux devenir comme moi et oublier la bêtise et la colère. Tu sembles perdu sans foyer. Fais ce que tu veux. Tu peux le raser par les flammes. Rien que je peux. Tu peux devenir comme moi. Et oublier la bêtise et la colère. Je reste impassible. Fais comme chez toi. Cela ne me gêne pas. Tu abandonnes tes manières païennes. Mais ce domaine, ce bétail, t'appartiennent ? Pas à moi, mais à Dieu. Je me suis converti à Dieu et je me sépare désormais de tout. Oui, ça, tu l'as déjà dit. Oui, brûle-la. Fais du passé un bûcher. Vas-y, continue à détruire. Ma foi est inébranlable. Merci, Seigneur, d'avoir envoyé ce diable mettre ma foi à l'épreuve. Toi, homme si singulier, qu'étais-tu avant d'avoir une telle dévotion ? J'étais comme toi, un païen perdu, violent et stupide. D'ailleurs, tu... Trop tard ? Pourquoi ? Cette parade du fondement à laquelle tu t'adonnes, le tabouret que tu quittes est sûrement couvert de terre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est... Enfin... Cette fée... Que voudrais-tu ? Faire-la dans la rivière. Cette hutte en peste. Comme si... Un champ de bataille. Des cadavres. Des frères convers ou des crimes passés. Tu profanes mon intégrité en insinuant de tels... Mais ma foi est immuable. Loué soit le Seigneur. Loué soit rien.
Quel crime dissimule ta foi chrétienne? Quel crime as-tu commis sans être puni? Tu n'es pas un convert. Tu es un sombre opportuniste. Je suis un chrétien résolu. Un religieux doux et paisible. Un hypocrite. Sans le moindre honneur. Tu mérites... Je t'ai accordé ta chance, païenne. Je suis un homme meilleur. Mes actes m'ont enrichi. Bon Dieu! Je suis toujours le chien assoiffé de sang que j'étais. Tu vas crever, espèce de mange-merde. Crever mille fois et de mille manières. Tu aurais dû prêter serment devant un tas de fumier, menteur bouffi d'orgueil. Et c'est devant un type. Il est de faux dépôts ainsi que de faux pas. Les familles sont souvent ceux qui ont trop. Voilà, voilà. T'as perdu la foi et t'as perdu la tête en même temps. Effectivement, ça ressemble à un truc de Lyrion, ça. Un tel endroit de merde. Très bien. On sauvegarde au cas où, c'est jamais, hein, si jamais... J'ai même défense. Allez, on est parti. Telle rage profanatrice, je n'ai un autre cadavre mutilé. Coupable, viens chercher son butin. Notre dignité ne t'a pas suffi. Tu es revenu te moquer de notre famille, du sacrifice de mon père. Maudite clairvoyante! Pourquoi m'en veux-tu ainsi? Lequel des rois félons t'a envoyé? Edmund? Burgret? Je n'obéis à aucun roi, et je ne t'obéirai pas davantage. Puisque tu oses m'imposer, tu seras dépecé comme les autres! Ça c'est fait. Donc on va retourner chercher ça. Merde. Est-ce que je vais y avoir accès? On va bien voir.
Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On va le coup de crochet. La dague que j'ai prise à la femme du marais. Elle doit pouvoir entrer ici. Vu les boss qu'il faut buter, ils abusent quand même de mettre que si peu de... Ça valait le coup s'il y a un trophée. Hein. Non, ça c'est la cape du con. Fait 4 pièces d'armure de Thor. Il me manque plus que la cape. Si mon compte est bon. Il reste plus qu'un mystère à faire ici. Bon, ok, bah, je reviendrai le faire plus tard, ça c'est pas un problème. Ça on s'en fout. On va voir Ranby.
C'est un plaisir de te voir. L'Est Anglie est à nos côtés. Le roi Oswald a juré de nous être loyal. On t'appellera bientôt Eivor, la faiseuse de roi. Encore une chose. J'ignore si tu le sais, mais Svent nous a quittés il y a peu. Le pauvre est mort dans son sommeil. Je ne savais pas, non. Comment va-t-on ? Cela a dû la marquer. Elle le vit assez mal, oui. Elle passe beaucoup de temps à son tumulus funéraire. Si tu en as le temps, va la voir. Je ne sais pas comment décider. Tove. Eivor, c'est Svend. Il Tove. Personne ne l'était. Nous avions prévu de marquer des tonneaux pour tes classes ce matin-là. Quand je suis allée le chercher, il était... Je suis sûre qu'il n'a pas... Mais il avait des projets. Des choses qu'il comptait faire. De quel récit veux-tu ? Lorsque nous comptons des récits aux vieux et aux sages, il les écoute paisible. Svend, lui, et je n'y étais pas prête. Il devait encore m'enseigner des choses. Jean me regarde comme si j'allais le remplacer. Comme si... Parce qu'ils ne savent pas. La vie exige parfois de nous bien plus que nous ne pouvons offrir. Je n'étais pas prête à perdre mes parents. Ils m'ont été enlevés en un éclair. Cela a dû être éprouvant. D'autres en seraient peut-être mieux sortis que moi. Ou moins bien. Mais tel est le sort qui a été... Je sais que Svend avait foi en toi, en ton art. De ton... C'était l'artiste le plus... Et il t'avait choisi. Tu peux décider de reprendre le flambeau. Merci, Eivor. Il faut que je rentre maintenant. Sois forte, Tove. Et sache que tu es appréciée. Tu as très bien instruit Tove. À travers elle, tu es toujours là. J'aimerais voir la carte. Alors, Vixent, bon. Nova Inland. Alors, on va se taper Yorvik. Parle-moi de Yorvik. Si c'est le cas, tu as de la chance. Nos vieux amis, tous les deux, avaient de l'influence en Norvège. Il est donc... Voilà qui me fait... Que comptes-tu faire ? Je vais m'y rendre. Tu sais où je... En arrivant dans une ville inconnue, le mieux est de se renseigner au pas. J'ai hâte de faire une session et de buter tout le monde. Ça va faire du bien. Ce doit être Yorvik.
L'ordre des anciens rôde dans ses rues et ses menelles. Mes vieux amis Yor et Yovina vivent ici. Se sont établis près de ce port. Quelqu'un devrait savoir où les trouver. L'homme, je cherche des gens, tu pourrais peut-être m'aider. Ils s'appellent Yor et Yovina. Yor, je le connais. Tu es une amie ? En effet. Alors n'espère aucune aide de ma part, ni de celle des autres marchands. Maintenant, si tu le permets. Il est ta mère. Yor lui aurait-il fait du tort ? Petit, tu pourrais m'aider? Je suis en train de rechercher des amis. Je crois que je... Exactement. Elle parlait bizarrement, alors je lui ai demandé... Tu devrais aller voir Grégory, le maître des quais. Merci à toi. Je cherche des amis. Youvi quoi? Bon, ce n'est pas grave. Marchandises. Allez, décampe. On aime que nos caisses soient propres, Ayurvik. Tu dois être le maître des... Comment l'as-tu deviné? Tout le monde te déteste. Je le disais à l'instant à ton ami, si tes marchandises ont été saisies, c'est au conseil qu'il faut se... Ces marchands ne sont pas mes amis, mais ce sont bien des amis que je cherche. Je connais Yor et Yovina. On s'est connus en Norvège. Nous avons quitté ce rivage. Tu seras heureuse d'apprendre qu'ils se débrouillent. Ça ne m'étonne pas, ils sont pleins d'énergie. Comme moi. Une demeure entourée de fleurs. Un petit quelque chose pour me remercier. Je peux te couper la langue si tu veux. D'accord, je n'ai rien. Une demeure. Yor et Yovina ont l'air d'avoir prospéré. Veille bien sur ta bourse. Il y a des détrousseurs qui rôdent par ici. Qu'ils essaient, tiens. J'ai hâte que vienne la fête de Yule, de la neige. Que vois-tu, ma vieille? C'est la troisième caisse qu'on me prend cette semaine. Et sans explication. Les règles sont les règles, mais j'aimerais que... Là, voici leur maison. Cet endroit a été mis à sac. Et ce corps, ce n'est ni Yor ni Yovina. Des rouleaux éparpillés. Le voleur cherchait quelque chose. On s'est battu ici. Et on dirait que ça a continué à l'extérieur. Tu sens.
et aucun corps. Par où sont-ils allés ? Est-ce que c'est l'un des voleurs ? La piste continue. Qui est là ? Avance, et vite ! C'est moi, Yuvina. Qui t'a envoyé ? Respire, Yuvina. Et calme-toi. Une amie. Tu arrives sans prévenir. J'ai entendu parler de troubles à Yurvik. Pardon, Ivor. Excuse-moi d'avoir douté de toi, mais ces dernières semaines ont été intenses. Qui étaient-ils ? Et qu'est-ce qu'ils te voulaient ? Ils cherchaient ceci. J'ignore ce que c'est, mais ces hommes étaient prêts à me tuer pour l'avoir. Un pauvre simple soldat du Christ. Tu me connais ça ? J'ai déjà vu une lettre comme celle-ci à Lunden. Ta ville court un grand danger. Où est Yor ? Dans la halle royale. Je vais t'y conduire. Mets ta capuche. C'est peut-être encore dangereux. Je dois passer inaperçu ici. Cache-toi. Nous pouvons passer. Il faut chercher. Ça c'est discret. Allons-y. As-tu vu une femme de Bjarnia ? Réponds bien si tu ne veux pas d'ennui. Je ne l'ai pas vue, je le jure. Bon, ouais, d'accord. Je n'en vois pas d'autre. Ça, c'est discret. Continuons. Par ici. Dans ce Assassin's Creed, c'est quand même particulièrement difficile d'être discret, je trouve. Hein. Je vais un peu déconner. C'est plus du bourrinage que de la discrétion maintenant. Je crois qu'il n'y a plus de danger. Par les dieux, Eivor, tu arrives à point nommé. Le destin ? J'espérais que nos chemins se recroiseraient. Mais j'imaginais des retrouvailles plus calmes. Nous avons échappé à un problème pour nous embarrasser d'un autre. Pendant que le roi Rixige subit une pénurie de monnaie, une bande appelée la Main Rouge tente d'imposer sa volonté. C'est cette bande qui t'a attaqué ? Oui, et non. Ce sont des bandits. Mais quelqu'un les dirige. Limitons-nous aux noms contenus dans cette lettre. Si je suis là, c'est pour tuer ces gens. Mais ces noms sont codés. Il peut s'agir de n'importe qui. La fange qu'on trouve dans les rues provient souvent des Halles. Dans le doute, il faut se tourner vers ceux qui ont le pouvoir. C'est un plaisir de te voir, mon ami. Tous sont les bien... Heureuse de vous voir tous les deux en bonne santé, Yor. Que viens-tu faire ici ? Ne me dis pas que tu as fait tout ce chemin pour la fête de... Je suis venu t'avertir, vieux guerrier. Ta ville est gangrenée.
par 3 personnes corrompues et nous devrions unir nos forces pour les démasquer et les tuer. Si je peux être utile... Doucement, toutes les deux. Et Ivor, on ne peut pas parcourir la ville. On a failli me tuer, moi. Comment ? Ces gens ont envoyé la main rouge. Ils sont prêts à faire couler le sang dans les rues pour demeurer cachés. Mais ils ont échoué. Voici la lettre qui a été envoyée chez vous. L'aiguille, la braise, la voûte. Ils font partie d'un groupement appelé Ordre des Anciens. Ce sont leur appellation. Et donc nos pistes. Écoute-la, Ior. Elle a déjà eu affaire à ces gens. La corruption a réussi à s'insinuer à Iorvik. Mais le roi Rixit a trop à faire. Cela ne servirait à... Ce n'est pas ce que je souhaite. Tout ce que je vous ai dit doit rester entre... Mais j'aimerais que tu me présentes au roi. Il est important que... Les Pictes sont en train de gagner. Nous devons rassembler tout l'argent possible afin... Je comprends, cher Faravid. Mais nous avons aussi des responsabilités envers les habitants. Assez ! Vous dites... Yor, j'ignorais que nous avions de la compagnie. Donc... Roi Rixij, je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Eh bien, Eivor du clan du Grand Corbeau, comme tu peux le voir, je... Ayor, peut-être par légèreté, a jugé bon et nécessaire que tu... Tu as un problème, Ayor. Oui, et il est en face de... Un problème qui a failli tuer une de mes amies. Yuvina a été attaquée par la Main Rouge. Ces gens ont pillé sa maison, détruit ses biens et l'ont traquée dans les rues. Ce sont encore ces maudits brigands. Elle a survécu. Mais la Main Rouge... Et pourquoi viens-tu m'en parler ? Es-tu une mercenaire ? Non, c'est la Drengre du Jarl Sigurd. J'ai entendu dire qu'elle occupait notre ancien campement sur le fleuve Nené. Je suis Faravid, chef de guerre de Halfdan Ragnarsson. Et cet incapable trop bien nourri est Aoudou, au magistrat de... J'ai déjà eu affaire à de tels groupes rebelles. Ils attendent patiemment qu'on baisse la garde. Si tu ne fais rien, ils vous chasseront de Iorvik. Ce n'est pas ce que tu souhaites. Ah, bon sang. Qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi ce que tu sais sur la Main Rouge, et je la chasserai de ta ville. Et cela sans... Ses membres se servent dans les coffres de toute la ville. Ils s'en prennent aux nobles, aux marchands... Et leur influence grandit. J'aimerais que nous en soyons débarrassés d'ici. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer cette menace. Si nous n'avons pas les moyens d'étrangler la Main Rouge... Fais ce que tu pourras, mais discrètement. Je ne veux pas que les habitants... Yor, prévois de quoi acheter vivres et bières pour les hommes de Faravid. Et veille à ce qu'il en reste assez. Mais comme je l'ai dit... Trouve-en. Il veut que je trouve de l'argent. Mais où ? Bien. Je vais te ramener à Yuvina. Elle sera... J'ignore si cela a pris la tournure que tu espérais. Cela s'est bien passé. Rixit se tiendra à l'écart. Et tout le monde s'y entend. Il faut s'occuper de la Main Rouge. Pas un mot de tout ceci à qui que ce soit. Le cercle de confiance doit rester limité à nous. Pardon, mais je vais rester à l'écart. J'en ai assez de ces concours de qui pisse le plus loin. Mon amour, je regrette ce qui t'est arrivé. Ne sois pas bête. Tu dois être où ton devoir l'exige. Et ce n'est pas une... Je suis simplement heureux que tu n'aies rien. Quand tu attrapes la queue, tu ne... Les vieilles habitudes ont... Yor a changé. C'est la politique. Je suis heureuse pour lui. Peut-être. Qu'est-ce que tu as là ? Des textes chrétiens. Les évangiles, l'Ecclésiaste, l'Apocalypse selon Jean. La Main Rouge, certes, nous tenons la ville, mais les chrétiens doivent... La Main Rouge ne semble pas de cet avis. Pire encore, Odun craint qu'elle s'attaque ensuite aux archers. Entre cela et les mécontentements sur les quais, je dirais... Pourquoi la Main Rouge s'intéresse-t-elle ? C'est toute la question. En tout cas, elle ne... Elle a même fait brûler vif ceux qui refusaient de lui remettre... Où est la plus vaste collection de textes ? Aux archives. Mais elle n'a pas encore trouvé le courage de les attaquer. Odun tient... Je vais tenter ma chance, là. Je suis arrivée par le port. Le maître des quais s'est montré amer lorsque j'ai mentionné vos noms. Cela ne m'étonne guère. Il tire prétexte du manque d'argent à Iorvik pour augmenter les taxes, en prétendant que c'est là une décision du Conseil. Ior n'imposerait jamais une telle chose, même si Rixit, lui, l'exigeait. Le maître des quais est un voleur et un sale menteur. Il mérite alors qu'on le bouscule un peu. Je vais retourner faire un tour au port. Et c'est à l'entrepôt. C'est là qu'il retient les marchandises des négociants. Je vais m'y mettre. Non, j'ai besoin de toi ici. Cherche des signes, des changements de comportement. Tout ce que je pourrais avaler un cœur de cheval pour ta... Je sais, mon ami. Mais ta loyauté m'est plus précieuse ici.
les archives. Ça doit être là qu'Aodun s'occupe des papiers du Conseil. Il n'est pas là. Il faut que je jette un œil. Merci, Aodun. Je vais les emporter tout de suite. Entendu. Eivor, c'est ça ? Dis-moi. Je viens me renseigner au sujet de ce texte chrétien. Ah, et aussi les détruits. Je crains que l'abbesse a proposé de mettre ces textes en lieu sûr. Je dois reconnaître qu'elle prend cette tâche à cœur. C'est trop d'honneur. Je ne cherche qu'à me rendre utile. Abbesse Ingeborg, voici Eivor, une invitée d'honneur du Sud. Eivor, elle m'inspire pour confiance. Comment puis-je t'aider ? Une abbesse est loin d'être le meilleur choix face à une bande de... Il est de mon devoir de protéger la foi chrétienne. Les textes tels que cet évangile, selon Matthieu, n'ont pas seulement été écrits, ils sont un don. Ils répandent la sainte parole de Dieu. Et cette fonction doit... J'admire ta ferveur. Mais jusqu'à sa disparition, la main rouge semble savoir où chercher ces textes. Peut-être qu'elle... Vous savez autre chose. Cela m'attriste de le dire, mais je suspecte un complot au presbytère. Et l'évêque a été aperçu en train de rôder aux alentours du presbytère. Il rend souvent visite au prêtre. Il est temps que je rencontre cette... Le presbytère est sur le chemin de l'abbaye. C'est là que je dois chercher l'évêque. Un tas de rouleaux officiels. Porteur d'un sceau. Je dois aussi préparer le festin de Yule. Viens assister aux festivités, Eivor. Boire une ou deux coupes. Des armes et des vivres. Mais pas assez pour armer et nourrir ne serait-ce qu'une petite armée. Des couronnes, du bois, des victuailles, du vin. Une liste de produits coûteux en vue d'une fête. Voilà le presbytère. L'abbesse a parlé de secrets suspects entre les prêtres et l'évêque. Ça a l'air calme. Où sont-ils ? Quelqu'un se cache là-dedans. Je doute qu'il en sorte. Je vais devoir trouver le moyen d'entrer. Musky, tu es là depuis longtemps. Pour qui te prends-tu pour t'imposer ainsi ce que tu as... On dit que vous, les prêtres, vous vous cachez depuis la disparition. À ton avis, de la main rouge, il malmène... Je cherche les... Dans ces quartiers. Il a dit qu'il reviendrait après avoir... Montre-moi. Que... Dépêche. Seigneur. Je sais... Des quartiers. Les quartiers de l'évêque. D'où vient cette odeur de brûlé ? C'est bloqué. Plusieurs textes chrétiens. L'abbesse avait raison de soupçonner. Du sang. On s'est battu ici. Je suis pas sûr que ce soit l'évêque, moi. Seigneur Dieu ! L'évêque !
Non, je ne veux pas faire ça. Oh, Seigneur. Ah, quelle puanteur. Il ressemble à une crotte de sourtre. Il y a une lettre noircie sous le corps. Il a sûrement tenté de la cacher avant de mourir. La braise, elle est... Je suis sûrement la nana, à mon avis. Quelqu'un savait que l'évêque avait mauvaise conscience et l'a tué avant qu'il parle. Ce sont des aveux. L'évêque a pris part à la destruction de ces textes contre sa volonté. Le reste de la lettre a brûlé. Mais il est question de l'abbaye et de l'abbesse. Est-ce là qu'elle a conservé les textes? Cherchez! Fouillez chaque salle! Ils sont ici, quelque part. Ce sont eux! C'est la main rouge! Oh, Seigneur, aie pitié! Silence. La main rouge. Il faut que je parte. Nous allons faire brûler cette pécheresse comme les autres. Cible a envoyé la main rouge à mes trousses. Je touche au but. Il est temps que j'aille à l'abbaye. La bête. Envoyer la main rouge à mes trousses. Je touche au but. Il est temps que j'aille à l'abbaye. L'abbesse en sait plus qu'elle ne veut bien le dire. Tous des membres de la main rouge. Ils ont dû s'emparer de l'abbaye. C'est dévoyé. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Ce n'est pas ici, prêtre. Va-t'en. Vite. Blasphème. Arrêtez ça tout de suite. Pourquoi une telle agitation, mon père? Abbesse, regarde. Ils font brûler tous ces passages. Pourquoi n'empêches-tu pas... Parce que j'en ai donné l'ordre. Comment? Le vélin que tu vois brûler ici est couvert de mensonges. Tant qu'ils existeront, nul ne pourra espérer voir le monde tel qu'il est. Mais... qu'est-ce qui t'est arrivé, Abbesse? Nous sommes tous les enfants de Dieu. Je te conjure de ne pas renoncer à lui.
Tu peux encore te repentir. Dieu te pardonnera, tu le sais bien. Ton esprit est empoisonné, mais n'aie crainte. Nous avons l'antidote. Nous établirons un autre exemple auquel tous s'aspireront. Tu es folle. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je t'en empêcherai. Il n'y a personne à qui le répéter. Personne pour entendre. Si tu refuses de voir brûler cette flamme, c'est que tu dois brûler avec elle. Je veux que tout disparaisse. Le moindre texte, passage, fragment gribouillé, tout. Il est désormais temps d'en finir. Oui, la braise. La braise, c'est la baisse. Prête à tuer tous ceux qui se dresseront devant elle. Je dois me glisser entre elle et sa prochaine victime. Toujours pas la braise. Ce n'est pas la braise. Qui brûle en moi, je l'ai toujours eu. Le désir de faire quelque chose de grand, d'important. Mais cette porte m'a toujours été fermée. Mes méthodes semblaient trop radicales. J'ai été exclue, rejetée, dédaignée. L'ordre, en revanche, a su me remarquer. Il a perçu le courage qui m'anime. Ce courage de vouloir améliorer le monde. L'ordre a ouvert cette porte. Et tu en as profité pour chercher à détruire un mode de vie que tu méprises. Nous savons tous depuis longtemps ce qu'il advient lorsque les hommes sont libres d'interpréter par eux-mêmes. Le savoir doit être contrôlé. Ce n'est qu'alors que le message peut être largement assimilé. Le jour où il n'y aura qu'une vérité approche. Une seule. Voilà ce que nous offre l'ordre. Cette femme voulait allumer une flamme nouvelle, mais avec la main d'un maître. Ta purification... Ma tâche est inachevée, mais elle aura ses conséquences. D'autres la poursuivront. Pourquoi dis-tu cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'en vais, flamme inextinguible, toujours plus vive, source de lumière. Oelheim, où t'attendent des feux plus froids et plus cruels. Je dois retourner voir Yuvina, et la prévenir de l'implication de l'abbesse Ingeborg. Jésus, Rayon,
Bon. Quelle nouvelle rapportes-tu ? La braise ne brûlera plus rien. C'était Ingeborg, la bête. Par les dieux, je n'aurais jamais pensé à elle. Il semblerait, oui. Et ceux qu'on soupçonne, la bête cherchait à détruire tous les textes chrétiens de la ville. A privé, mais l'une de ses expressions m'a marqué. L'un des quatre est des nôtres. Quatre ? Mais il n'y a que trois cibles à Jørvik. Quelque chose nous aurait échappé. Maudit Picte ! Non seulement ils tiennent le Nord, mais ces chiens qui ne respectent rien rôdent aussi sur nos... Yor dit que nos espions sur le terrain... Plutôt sous le terrain. Tous sont morts, sauf un, revenu meurtri et en sang. Que la... Yovina, aurais-tu un moment? Avec Yor, s'il est dans les parages. Nous viendrons au plus... Il en reste deux à Les récriminations ne cessent d'augmenter sur les quais. Va... L'un des quatre. Voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, ben non. L'un des 4, ça pourrait être qui, l'un des 4 ? Je sais pas. S'ils sont 5, c'est pas un des magistères. Pas le grand magistère non plus. Bah, je sais pas. Alors là. L'ordure, ça va être le chef de l'entrepôt là où je sais pas quoi. L'entrepôt de Jørvik. Celui qu'on a vu tout à l'heure. C'est peut-être là que sont conservées les marchandises des négociants. Cet endroit est très bien gardé. Alors, j'aurais peut-être dû lui parler avant de le tuer. Le pot est gardé avec son rouge. L'ordre a des intérêts dans ces quais. Qu'est-ce que tu fais? Tu es censé être au marché. Je sais, j'ai oublié quel marchand je devais aller voir. Ce n'est pas vrai. Les dents noires sur leurs étals. Par les dieux, laisse. Je vais confier cette tâche à quelqu'un. Tu joues avec le feu, gamin. Il est arrivé. D'une aiguille. Je suis sur sa piste. Des marchandises exotiques saisies. Elles valent cher. Voilà ce qui doit intéresser la main rouge. S'enrichir. Ainsi, le maître des quais saisit des marchandises et les fait revendre par des négociants du marché. Et tous portent une étoffe noire. Je pourrais peut-être attirer leur attention en présentant de l'argent au marché. Le maître des quais, à mon avis, c'est... C'est sûr qu'il est impliqué de toute façon. Apparemment, les réclamations des marchands ne sont jamais parvenues au conseil. Bah tiens.
Le marché de Coppergate. Je vais montrer de l'argent aux négociants. Cela devrait attirer leur attention. Ouvre bien l'œil. Il y a eu des problèmes. Quel genre de problème? Dis-moi, l'ami. Mon navire est tellement rempli d'argent qu'il risque de couler. Parle moins fort, d'accord? Tu vas te faire tuer à tenir... À quoi sert un marché sinon à regarder les étals pour y dépenser tout son argent? Tu veux te débarrasser de tes richesses? Alors va dans les ruelles. Maintenant, disparais! Je n'en sais rien. J'ai fait l'église, c'est moi qui contrôle-moi ici à la métallisation, on ira le voir ensemble. Ces gardes vont revenir ce soir. Les suivre devraient me mener à l'église. Mais pourquoi? La nuit tombe en paix. En prévision de la fête de Yule. Dommage, j'en aurais bien bu une coupe. Hélas, tout le monde ne parle que de cette fête. Du vin, une coupe de vin, non mais t'es sérieux? Au champagne, la coupe. Dépêche-toi, d'accord. On a des rondes à faire. Si je les suis, on devrait me conduire à l'aiguille. Redoubler de prudence par ici. Des chariots vides et une étoffe noire désignant la maison. C'est là. Parmi les rats, les gars. Ça vient. De métal. Un atelier dans les égouts. Que peut bien faire les grilles? Des armes. Tous ces objets en argent. Certains sont encore dans les caisses. Ont-ils tous été saisis? Ils font de l'argent pour le transformer en barres et en pièces. Mais que compte-t-il en faire? Tiens, ne fais pas ça! Je te jure que tu auras ton argent la semaine prochaine! Tu vas voir! Ne fais pas ça! Je
Cela ne m'étonne pas de te trouver ici, toi. Toi, tu n'as rien à faire là. On aime que les quais soient propres à Jorvik. C'est bien ce que tu as dit. Et te voilà à baigner dans l'argent provenant des marchandises que tu sais si tu es l'aiguille ou l'un de ces nombreux... Tu dis n'importe quoi. La trame de ce monde est usée, effilochée, déchirée. Il faut bien que quelqu'un la raccommode. Ouais, donc c'est toi l'aiguille. Quelqu'un ayant une main sûre et ferme, qui sache manier l'ennemi. Tes métaphores sentent le purin, mais au moins... Eh bien, nous avons tous nos points faibles. Le tien est apparemment le fer qui nous sépare. Tu crois que des hommes réussiront à m'arrêter ? Tu as tort de les sous-estimer. La main rouge est fidèle à notre cause. Je ne peux pas en dire autant des marchands. Faites vite ! Et retrouvez-moi au marché quand tout sera réglé. Mais enfin, pourquoi on lui tire pas une flèche ? J'ai deviné qui étaient les deux coupables. Tout cet argent, il est transformé en monnaie. Tac. Une flèche. Et deux coups de lance. Approche, on va marcher. Ça fait du bien de marcher. Grégory ! Il faut savoir prendre l'air. Regardez. Pitié ! Grégory ! Je ne pensais pas à mal. Ce n'était que quelques pièces. Chut, 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 chut. Je comprends. Ce n'est pas de ta faute. C'est moi qui ai eu tort de croire qu'il y avait autre chose que du vent entre tes oreilles. Avec tout l'argent que je t'ai donné, je n'ai plus de quoi nourrir mes enfants. Sans parler de moi. Pitié. Tâche de comprendre. Oh, tout Jésus. Marchand de Jorvik, je vous ai promis un avenir de richesse. Et que vous ai-je simple? Vous en souvenez-vous? La loyauté. La loyauté! Que ceci vous serve de leçon. Et n'espérez pas pouvoir mettre en péril mes activités. Les gardes sont vigilants par ici. Faites ce que
assez drôle. Quand j'étais enfant, je pensais que la neige était les larmes de Dieu gelées par nos péchés. Affamé, je regardais le ciel, espérant que c'était pour moi qu'il pleurait. Moi qui le voulais sauver. Mais il ne m'a pas sauvé. C'est la voûte qui m'a fait. Il m'a emmené dans une belle maison, m'a donné à manger. Pour la première fois, quelqu'un... C'est alors que je me suis fait cette promesse. Ne jamais me retourner contre celui qui m'aide, alors que... Donc tu as servi la voûte, en sachant parfaitement... L'ordre a fait se croiser nos chemins. J'avais une dette. Une dette de vie est une entaille profonde. Elle s'est emparée de son corps et ne l'a jamais libérée. Mais tu as fait preuve de moins de compassion. Beaucoup de gens ont souffert de toi. Tu as raison. Je mérite peut-être cette mort. Mais je ne suis qu'une des dents d'un immense orage. Plus pour longtemps. Là où tu vas, aucune larme. Oh bah dis donc, il m'a fait direct. Tac. Là. Quelle nouvelle rapportes-tu? L'aiguille ne... Bien joué, Eivor. Mon amour, il y a eu une attaque au marché. L'aiguille, il vendait les marchandises qu'il saisissait pour procurer... Il n'en avait pas le pouvoir. Comme... Le sceau du conseil, le rat. Cela dépasse toute mesure. La manière dont il a pu se procurer ceci est... Je dois retourner m'occuper des préparatifs de la fête de Yule. Mais j'ouvrirai l'œil et je tendrai l'oreille. Soyez prudente. Genre, c'est... Lui, là, ça pourrait être un bon couple. Et une... L'un des quatre. Rixij, Faravid, Aodun et... Yor. Les quatre membres. Nous devons fouiller leur bureau. Pendant qu'ils sont occupés par la... Oui. Quelque chose m'aurait échappé. Nous ne tarderons pas à le savoir. Si on connaissait quand il était... Quand on était petit, Yor, ce serait pas cohérent que ce soit lui. Puisque l'autre, il a dit qu'il l'a élevé depuis sa naissance. Il l'a sorti de la merde. Vu qu'il était en Norvège avant, ce serait pas cohérent. C'est là que se réunissent les membres du conseil. Une liste. Ce dont Yorvik a besoin pour la fête de Yule. C'est l'écriture d'Aodun. Des éléments ont été biffés. Où a-t-il trouvé l'argent permettant de faire de tels achats? Aodun a des relations. J'ai vu ces choses. Des armes et des vivres. Assez pour un petit groupe de combattants. Mais pas pour l'armée de Halfdan. Peut-être Faravid réclame-t-il davantage d'argent au conseil. Un cachet de cire, semblable à celui que j'ai trouvé dans les égouts. Le sceau que tu as pris sur l'aiguille...
Tu ne penses pas que quelqu'un aurait pu le voler? Continuons à chercher. Ce bureau, on dirait qu'il a été déplacé ici. C'est celui de Yor. Il est rempli d'argent. Il y a des éraflures sur le sol. Le bureau de Yor se trouvait contre l'autre mur. Pourquoi l'avoir déplacé alors? Une entrée secrète? Où peut-elle mener? Surveille la porte. Il y avait du vin ici. Celui qui l'a déplacé était pressé. Une cargaison de vin a été retirée d'ici, et il flotte une odeur d'amande. C'est probablement le vin destiné à la fête de Yule. Tu en dirais, oui. Ce n'est pas lui. Pas mon... N'y pense pas. Attendons de connaître tous les faits avant de nous... Pour l'instant, il faut aller à la fête de Yule. Tu as raison. C'est à l'amphithéâtre. Ah merde. Tu vois le vin? Non. Alors rien n'est perdu. Tout le conseil est là. N'importe lequel d'entre eux peut être la voûte. Je te fais confiance pour trouver le vin. Je vais parler à chaque membre du conseil et le pousser au mensonge. Même Yor? Oui, même lui. Si c'est lui la voûte, je ne le laisserai pas tuer tous ces gens. Yuvina. Je t'ai entendu. Mais accorde-moi une... Je te le promets. Maintenant, allez parler aux membres du conseil. Faravid, puis-je... Ah, Dren, si c'est pour renforcer mes troupes, la réponse est oui. Quand on me courtise, j'aime ça. Ah, si c'est un des... Parfait. Du vin? Allons, buvons plutôt de la bière. Cela permettra de déterminer... Je vais évaluer leur réaction à la mention du vin. Cela me mènera peut-être à la voûte. Le roulant... Ah, quelle Aodun, tu as apparemment réussi à trouver des fonds pour cette fête. Tu dois être fier de toi. Ce n'est rien de le dire. Regarde ça. Le festin va bientôt commencer. Il faut fêter ça. Je vais aller nous chercher du vin. Non, 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 non. Ce serait indigne. Ce vin est destiné aux amis. Quand il sera là, n'hésite pas à t'en servir. Oui, en effet. S'il continue ainsi... Mais il peut t'en servir. Lui, il est suspect. L'autre, il a refusé le vin, mais pas aussi nettement que lui. C'est Aodun. Il m'inspire pas confiance, ce con. On va voir la suite. Qui était-ce? Voilà. Ne t'en fais pas. Nous savons que la voûte est d'une. T'en es sûr? Absolument. Dès que je saurai. En attendant, il est crucial que je puisse enquêter sans attirer la. Elle t'est acquise. Que veux-tu? Bois, jusqu'à en perdre. Comment? Il me faut une diversion. Pour détourner de moi les regards. Le vin ne tardera pas à arriver. Bois trois coupes. Mais c'est indigne de ma fonction. Il faut trouver un autre moyen. Fais ce que je te dis. L'argent sera prêt dans les prochains jours. Merci. Je t'en prie. Eivor, as-tu découvert qui est la voûte? Pas encore. Rixitch! Ah, tu es venu te joindre à la fête. J'ai une mauvaise nouvelle. Le vin destiné à la fête est gâté. Naturellement. D'ailleurs, je m'y attendais. Je vais dire à mes hommes de le jeter.
Il devrait en rester dans mes réserves privées. Je vais envoyer... Non, c'est tout. Je vais essayer. Bon. Allez, moi je soupçonne à Oulu. Sais-tu qui il peut être ? Oui, je le pense. Chaque membre m'a fourni une raison de le soupçonner. Mais certains membres plus que d'autres. Et qui est-ce, ce... Aodun a plaidé pour cette fête depuis le début. C'est lui qui l'a préparée, ce qui veut dire qu'il avait accès au vin. Et il a aidé l'abbesse Ingeborg à collecter les textes chrétiens. Or, il se trouve qu'elle était la braise. Oui. Oui, tu... De tous les conseillers, lui seul savait que le vin n'était pas arrivé. En lui en proposant, il a refusé, insistant pour qu'on le réserve aux invités. Pour ces raisons, je pense qu'Aodun est... Frères et sœurs, avant de commencer... J'aimerais... J'ai auprès de moi quelques-uns des seigneurs les plus respectés de Yorvik. J'ai plaisir à vous dire qu'en ce jour où nous fêtons Yule, nous rendons aussi honneur aux nobles... Le vin, c'est au doux. Il est trop tard pour eux. Nous devons saisir notre chance. Joignez-vous à moi pour célébrer nos succès et les vôtres à tout ce que vous méritez. Peste. Et maintenant, aveuglés comme vous l'êtes... Par votre soif de plaisir et votre orgueil, je vais vous dire ce qu'est la noblesse. Un nouveau monde fait d'ordre voit le jour. Et aucun de vous... Mets les conseillers à l'abri. Il n'y a aucune issue, aucun avenir pour les gens comme vous. C'est que ce bug. Qu'espérais-tu gagner en agissant? Quelles richesses peuvent justifier tant de malheurs et la mort d'hommes et de femmes d'honneur? Seul un esprit faible peut les qualifier ainsi. Ce sont des privilégiés, des fainéants, imbus d'eux-mêmes. Je vous ai assuré le pouvoir par la richesse. Aux dépens de gens honnêtes, fussent-ils des marchands? Oh, tu te trompes. Ta cosmogonie primitive et barbare t'aveugle. 9 mondes dans un arbre. Non. 9 fois 9000 mondes et autant de soleils. 9 nuits suspendues à l'arbre en me sacrifiant à moi-même. C'est ainsi que le sage cherche la connaissance. D'innombrables sphères, attendant notre don, notre illumination. Je ne vis que dans un seul point. Tu ne vis dans aucun. Yovin, où sont-ils passés?
sois mes yeux, Zinine. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Faravid et ses Carles ont ramené Rixidj à la Halle Royale. Tout le monde est en sûreté. Retrouvons-les là-bas. Comme nous, Barry a sa beauté. Merde, blanchard! Il complotait sous nous. Peu m'importe! Je veux... Calme-toi, Seigneur. Ce n'est pas ça qui va me calmer! Je voulais moi-même lui arracher la tête! Aodun s'était allié à une société secrète qui... Il avait l'aide de deux complices. Grigori, le maître des quais, et Ingeborg. Et toi, Ivor? Tu étais alors... Oui, mais cela ne devait pas se savoir. Ces gens peuvent atteindre n'importe qui. Franchir les murs de n'importe quoi. À la manière des vers dans une pomme pourrie. Ils auraient dévoré Yervik de l'intérieur si on les avait laissés. Mais tu as évité ce désastre. Nous te sommes largement. Si la menace a disparu, tu as également ma gratitude. J'aimerais te nommer haut magistrat honoraire de Yervik. C'est un titre qui sonne bien. Tu me fais. Tu l'as mérité. Alors permets-moi de te dire que les tunnels situés sous ces rues contiennent une grande quantité d'argent. C'est vrai. C'est l'argent qu'extorquait le maître des quais. Que doit-on en faire, selon... En faire cadeau aux marchands ou alors financer la guerre. D'honnêtes marchands se sont vus privés de leur honor Yul en rendant cet argent au... Un conseil avisé. Bien. Je vais charger Yor de répartir équitablement cet argent. Viens, Faravid. Aide-moi à mettre ce trésor à... Nous avons une maxime en Birmia. Seuls les morts ont le droit. Et nous sommes en vie. J'aurais bien quelques reproches à propos du roi et du trésor. Mais peu importe. Nous avons réussi. Peut-être avons-nous tout. Nous pouvons toujours... Non. La Norvège est derrière moi, et le reste de l'Angleterre vient devant. Attends, si tu as besoin de nous... Une dernière chose. L'argent sur ton bureau, il a semé le doute dans mon esprit. Autant oublier l'élément de surprise. J'ai demandé à un artisan de fabriquer un gage d'amour pour Yuvina. Un cadeau... Petit filou. Je vais partir avant que vous ne fassiez honte. Puisse nos chemins se recroiser dans ce monde. Passe par Yervik. Viens boire une bière avec nous. Je connais un endroit un peu plus loin. Il semble que le vent me ramène à Rami. Autant lui annoncer la nouvelle.
honte de te... J'ai purgé Yorvik de l'Ordre des Anciens, avec l'aide de Yuv. Tu remplis ses tâches à ravir, Eivor. Serait-ce le prélude de ton entrée? J'en doute. Ces attaques dans les ruelles manquent. Que doit-on faire ? J'ai reçu du courrier, je crois. T'es un gentil. Oui, mon mignon. Je devrais aller voir ailleurs. Aller parler à Aïtab de mes prochaines cibles. Yorvik est désormais libre. Tu as encore brillé, mon ami. Ah, j'ai quelque chose pour toi. Une lettre étrange est arrivée. Un pauvre simple soldat. Oui. Pas vraiment. Mais ce soldat connaît bien l'ordre, apparemment. C'est grâce à lui. Cette lettre te demande de te rendre à Winchester, d'aller dans une maison de Dieu et d'y chercher un homme en blanc. Puis, lui reste que vienne l'orgueil. Viendra. Très bien. Je vais aller voir Andy et ta... Tu as besoin de quelque chose ? Je dois... Alors, va. Moi, je vais éteindre, je vais aller faire 2-3 courses, puis je reviens d'ici une petite heure, je pense. Parce que je commence à avoir un peu les yeux éclatés, ça fait 4 heures que je joue. Ça fait bien longtemps que ça m'était pas arrivé. Allez, à tout à l'heure.